la ville espagnole de Santiago de Compostela présente sa candidature comme ville d'accueil pour le 4e congrès notarial européen qui aura lieu en octobre 2017. Le pèlerinage de Santiago de Compostela est considéré pour bon nombre d'historiens comme le premier germe de la collaboration à travers les frontières entre les pays européens. C'est la raison pour laquelle le Camino de Santiago a été classé comme le premier itinéraire culturel européen par le Parlement européen et comme patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Santiago de Compostela est aujourd'hui la destination de milliers de personnes du monde entier. Et cette ville sera aussi le point de rencontre où les participants au 4e congrès notarial européen partageront l'esprit qui caractérise l'Union européenne. Un lieu où les notaires des 22 pays disposant de systèmes notariaux se donneront rendez-vous pour analyser et débattre le droit de l'Union européenne au service des citoyens, à savoir le thème de ce congrès. Une rencontre organisée dans le but de présenter des propositions juridiques aux institutions européennes sur les deux sujets qui focalisent l'actualité et les préoccupations communautaires. La protection des consommateurs sur le marché unique numérique européen et le transfert du siège social des entreprises au sein de l'Union en tenant compte de l'équilibre de tous les intérêts en jeu dans la réalisation du marché unique européen. Quatrième congrès notarial européen. La contribution des notaires de l'Europe en 2017 aux défis et objectifs de l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union européenne.